Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre histoire sur Mario et les lapins crétins Spark of Hope. Donc de mon côté, j'ai bien avancé, j'ai terminé cette petite zone. Il me reste plus que le gros défi que je vous présenterai sûrement en vidéo à la fin du let's play. Donc on va partir dans la nouvelle destination, histoire de découvrir la suite de l'histoire. Donc on est au quatrième monde. Et il va s'appeler normalement Terra Flora. Donc c'est une zone 18-25. Donc on est pile poil dans le niveau. Je pense que c'est fait exprès hein, pour pas qu'il y ait vraiment trop d'écart. Donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Nous approchons de Terra Flora, royaume des sources d'eau minérale naturellement gazeuses, des immarcessibles prairies, sans parler de l'infiniment célèbre arbre de l'éclosion. Franchement, Ginny, même toi ne peux entacher mon enthousiasme à l'idée de visiter le jardin de la galaxie. Malheureusement, si, je le peux. La forteresse de Cursa est désormais à portée de nos instruments. Cursa a érigé une barrière d'énergie de confusion tout autour, qui nous empêchera de faire atterrir notre vaisseau. Et cela, même si nous trouvons l'énergie de confusion purifiée pour l'atteindre. Edge, toi, tu dois connaître un moyen. Oh, comment ça? Tu connais Bibi, tu connais Minuit. Il y a bien quelque chose que tu ne veux pas nous dire, n'est-ce pas? Écoutez bien. Donc les prairies qui ne fanent jamais, là, on va les voir en personne. Prêt pour l'atterrissage? Moi, j'ai hâte de découvrir la nouvelle zone. Ça rigole pas, hein. J'allais dire ça va, la zone a l'air jolie, mais non, en fait non. Premier abord, ça va. La flore de Terra Flora souffre. Ouais. Eh
Une sécheresse approche. Le célèbre volcan d'eau de Terra Flora, le Mont Gicleur, est désormais en sommeil. Cette voix... Son nom est Ginny, l'intelligence artificielle de pilotage et de gestion des systèmes de notre vaisseau. Et moi, j'en suis... La peste sur votre maison. En réalité, aussi immatériel le plaisir inhérent à mes attributions soit-il, je trouve mes fonctions fort réjouissantes. Monsieur... Fussais-je accablé d'ignominie ? À toute vapeur. Lorsque le wagon restaurant n'a plus de petits fours aux concombres, c'est un regrettable problème. Ça, c'est un tentacule de confusion. Par mes pistons. Toutefois... Grand merci, Monsieur Sullivan. Nous irons voir l'arbre de l'éclosion tout de suite et verrons votre train bientôt, c'est promis. Alors... Qui nous rend beau. On se passe un peu les dialogues, hein, c'est toujours pareil de toute façon. Elle laisse juste 2 secondes à l'écran pour lire plus rapidement, mais bon. C'est pas le plus important, on va dire. Un nouvel objet. Ouf. Ça vaut le coup. Et s'il nous donne ça, ça veut dire que ça va être. Ça va pas être si facile que ça. Mais ça, on va en acheter. Acheter 2. Hein? Oh! D'accord. C'est important. Donc il nous faudra 12 clés pour la zone secrète. Le reste, de toute façon, je le fais tranquillement. Donc. Choc. Vaincre tous les ennemis. Ok. Donc il y a des tonneaux. 2 statues. Ouf. Intérêt à faire attention, je pense. Une technique qui gagne. Okidoki. Ça valait vraiment le coup de farmer les sparks parce que là on récupère des alliés. On a quand même, ça fait comme si on avait un allié de plus sur le terrain avec nous. On va dire que c'est pas négligeable. Alors on va tirer sur le baril. Voilà, lui il nous embête pas plus. Là, Luigi, je lui ai fait un build vraiment full dégâts critiques. C'est pour ça qu'il fait aussi de bons dégâts comme ça.
passe au tour de l'ennemi. Même du peuple, hein, quand on y regarde. Okay. Ça va, ça s'est bien passé. Allez, on continue. On va juste regarder la carte, à quoi elle ressemble. Elle est quand même grande, hein. Donc elle est en deux zones. Ok. De toute façon, on va s'orienter vers l'objectif principal. Hein. Oh.
Ça doit être l'esprit de l'arbre de l'éclosion en personne. Nous venons en paix. En réalité, nous pouvons même aider votre majestueuse éclosion à retrouver sa floraison naturelle. Oui, bien sûr. Oh, grand esprit de l'éclosion, merci. Vous ne le regretterez pas. Alors. Bettina a viré son manager et lancé un album expérimental entièrement produit sous l'eau. Les critiques l'ont qualifié de petite crise d'ado crypto-artistique ne convenant qu'au snobinard pseudo-intello. Le carré. Ça va, elle est pas trop loin. On va pouvoir récupérer le rond. On va quand même aller voir là. Toujours ça de prix, hein. À l'entrée. C'est pas trop compliqué comme énigme, ça va. Bettina est une warrior. Les dessins sont vraiment, très jolis. Hein. Elle s'est exilée à Terra Flora pour se reconvertir en agricultrice bio. Heureusement, il nous reste plein d'albums merveilleux de Bettina pour nous souvenir de sa voix magnifique. Mais pas celui-là. Sur cet album, elle ressemble à une tronçonneuse rouillée. C'est sympa.
D'accord, donc notre pouvoir violet, maintenant, il fait apparaître les chemins. Ça, c'est cool aussi. Donc là, normalement, ça va être la zone de l'énigme. À propos de... vapeur et charbon. Le pourrez-vous ? Donc ça, je me la réserve pour plus tard. Vous aurez une série de vidéos là-dessus où les énigmes du jeu seront disponibles. Je me concentre vraiment sur l'histoire. Hein. On va récupérer ça. Bettina, alors plus sage et moins immature, trouva toute sa dimension dans cet album, que les critiques qualifièrent de maîtrisé et profond. Seuls 300 exemplaires furent vendus, et sa carrière... Hop, ça servira pour plus tard. Et on avait l'objectif, et en bas... le lapin à tuer pour récupérer. Donc ça, je ferai après, de toute façon. Ça découline dans l'éclosion. Alors, vaincre tous les ennemis. Bon, alors, on n'a pas de cover du tout. Les dégoulineux vont vous poser un problème. Leurs pouvoirs magiques peuvent bloquer les techniques, les pouvoirs de Spark, même les attaques. Ah ouais, donc en gros, on peut plus rien faire. Ah ouais, ils ont la totale, donc eux, va falloir s'occuper d'eux super rapidement, je pense. Let's go! Oh,
Okidoki. J'espère que Bowser il pourra aller où j'ai envie de l'emmener. Et on va le mettre là. On s'en met un aussi. Ah, on a plus de cachette. Luigi ne peut plus attaquer. Let's go!
ça va, ça s'est bien passé. On passe niveau 22, ça c'est cool. Bonjour. C'est vous, le grand esprit de l'éclosion? Oh, mon nectar. Si vous êtes la gardienne, vous devez savoir où trouver la confusion ombre qui s'est infiltrée à Terra Flora. Le mont Zicler. Le mont Zicler. Des fleurs, des fleurs. Mon joli nectar. Nouveau pouvoir encore? C'est cool ça. Pouvoir Sony amélioré. Je vois pourquoi vous l'appelez Bouillon. Il m'a en effet éclaboussé de son talent. Ah! Bouillon? D'accord, on va pouvoir faire grandir les fleurs, je pense. Nos jolies fleurs. Alors, pouvoir de Bipo, onde améliorée. Vous pouvez désormais avoir un effet sur certaines plantes, appuyez plusieurs fois ZR pour l'utiliser. Ok. Le grand Kowalczynski. Personne n'a jamais aussi bien allié l'amour de la musique au rebond frénétique. Il est au paradis des pièces à présent. Ça, c'est vraiment classe aussi. Hein. Yeah. Dans cet épisode, de toute façon, on va se concentrer vraiment sur... Sur l'histoire, donc on continue de toute façon. Là, je pense qu'on va pouvoir ressortir. Là maintenant on a ça. C'est quand même cool. C'est pas encore pour tout de suite. Hein. Bingo! Whee!
maintenant. Remonter? Ah si, par l'échelle, j'avais pas vu. C'est bon. Faut faire pareil. Leur faire de dégâts. On va essayer d'avancer Bowser là-bas. On va faire apparaître le griffou comme ça. Ça fera peut-être un petit coup en moins qu'on se prendra, on va dire. Ah.
Ça nous fait gagner un tour. Le seul moyen de les tuer, c'est de les jeter dans le vide. Hop, tour de Mario. Et voilà. Alors. Ah, le pont est de l'autre côté. Non, on pourra pas. Ce tour. Là, il y a rien non plus. Je pense pas, c'est trop loin. Là, je crois que c'est notre vaisseau, mais est-ce que ça se trouve, il y a peut-être un petit truc à notre vaisseau. On va quand même aller voir. Non. Pour moi, l'équipe de Terraflora a toutes ses chances pour la Coupe des Boules au fromage planétoïdal. Ils ont recruté de sérieux joueurs fromagers cette saison. Alors, par là, on peut pas. Mais si, hein. Absurdité. Alors là, c'est la quête, on va devoir tuer trois dégoulineux. Comme dans chaque monde, de toute façon, on a une quête comme ça. Là, pareil, je ferai après de mon côté. Bingo! Profite comme ça, on débloque tous les chemins. Ça va nous faciliter après l'exploration. Là, il y a un œil qui nous bloque le passage. Regardez par ici, hein. Thank you.
Vraiment pas mal pensé hein, ce qu'ils ont fait. C'est cool, je trouve. Là, on va libérer le passage. Sullivan, à propos du tentacule de Confusion sur les rails. Point d'inquiétude. Petits endroits à explorer, c'est... Point de peur, voyons. Oui, oui, merveilleux. Mais pourrait-on se concentrer sur le tentacule de confusion qu'il y a sur les rails, plutôt que sur la mécanique? Hein? En voiture! Tout vénère. Détruire l'œil de confusion. Énervé là. Thank you.
ma team préférée, hein. Franchement. Des fois à la place de Bowser mettre Lapin Peach, mais c'est vraiment très très fort. Let's go! Let's go! Est-ce que si je mets ça? Certes, on n'a plus d'abri, mais bon. Normalement, il est mort. Okidoki. Bien que Luigi, on arrive à le mettre en hauteur. On va le laisser là, de toute façon. C'est dommage, il peut pas tirer cela là-haut. Let's go! Woo!
Ah, ils abusent à me foutre dans le vide à chaque fois. Peut plus attaquer. Ah, si on arrive à les éliminer comme ça, c'est toujours ça de prix. Let's go! Donc là, on en a tué combien déjà? 8, il en reste 8. 3, 10, 8. Donc, ok, c'est les deux derniers. Ça devrait bien se passer normalement. Y a pas une surprise de fin de partie. On est bon. On va invoquer un griffou au cas où. Cher le pauvre. Ça va, il revient en arrière. Il revient au tout début. Là, c'est abusé par contre. Thank you.
dont on va se soigner. Mario peut pas attaquer non plus. C'est plus possible. Oh yeah! Bowser, il peut attaquer. On peut quand même lui mettre un petit soin. Dans l'autre sens. Non, ça va, il s'arrête là. Hop. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh. Yeah. Premier cristal, c'est cool. Destin. Ma Micheline. Oui, du coup, merci pour... Oh, désir cruel. Bon bah c'est cool les amis, franchement on a bien avancé. Je vais juste prendre le petit épée. On est nickel pour la suite comme ça. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On avance super bien sur la planète. Donc là on va regarder juste où on est. Je pense qu'on est sur la zone... D'accord. On est vers là-haut. Ok, donc on a vraiment bien avancé franchement. Donc dans le prochain épisode, on va essayer de terminer cette planète. Après moi comme d'habitude, je farmerai de mon côté tranquillement pour aller découvrir tout ce qu'il y a à découvrir et vous faire des petites vidéos à côté sur les zones secrètes, sur les sparks à récupérer et tout ça. Et puis je vous dis à très très vite pour la suite. Si vous voulez ne pas louper la suite, je vous conseille de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis ça coûte rien, franchement, c'est vraiment gratuit. Et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu pour récompenser le travail et puis un petit commentaire si vous avez envie de parler du jeu ou poser des questions. Allez, je vous dis à très très vite. Ciao ciao, c'était Nico. Yep. Yep. Yeah. Oh. Yeah.